Bonjour à toutes et à tous les amis, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale. Aujourd'hui je vous présente mon site qui est enfin sorti. Et avant d'entamer cette vidéo, je voulais vous dire, allez sur la chaîne de Telis, celui qui m'a fait mon site Telis, je pense que vous le connaissez. Sa chaîne est dans la description, je veux que vous abonniez les amis. De toute façon vous allez adorer ses vidéos, c'est impossible de pas les adorer. J'espère que vous irez vous abonner, regarder ses vidéos, c'est un mec super sympa. Il m'a fait mon site, vraiment un mec super sympa, lien de sa chaîne dans la description. Let's go. Et voilà, et donc du coup, on se retrouve aujourd'hui pour la présentation de mon site, comme vous pouvez le voir, hein, www.mrwong.com. Il sera dans la description, tout simplement, il sera dans la description maintenant de toutes les vidéos, voilà, tout simplement. Donc je vais vous passer un petit peu en profondeur le site, tout simplement parce qu'il y a beaucoup de gens qui me demandaient, pour avoir mes mods, quand il y allait avoir un site, pour dire différentes réunions, etc. C'est peut-être plus facile pour vous, je le comprends. Et donc voilà, donc aujourd'hui, je vous le présente un petit peu plus en profondeur. Donc voilà, on a gardé le design pour ceux, donc tout simplement, qui, je pense que j'avais déjà montré, mais juste le design dans un stream. Donc voilà, donc du coup, vous avez le design, alors j'espère qu'il vous plaira. Une image ici, un petit peu un décor, un paysage dans le fond, ici, pour, en fait, pour mettre derrière, quoi, je trouve ça rendait bien. Et donc du coup, voilà, un petit peu le design comme ça fait. Donc vous avez mon nom ici, et là, donc c'est un design noir et rouge, tout simplement. Et tout simplement ici, donc vous avez l'accueil, la team, les vidéos, les mods et le matériel qui est donc, tout simplement, qui est pour le site, voilà. Donc ici, vous avez trois onglets, vous avez mon Facebook, mon Twitter et mon YouTube. Voilà, vous allez cliquer là, vous allez atterrir sur ma chaîne, sur mon Twitter et sur Facebook. Tout simplement, ici dans accueil, alors vraiment bien ce qu'on a mis en place. Donc ici vous avez un diaporama bien sympa avec une petite phrase, bonjour tout le monde, bienvenue sur le site de Mr. Wallon. J'espère que tu y trouveras ce que tu cherches et que tu passeras un bon moment dans ma galaxie. Voilà, donc ça c'est un petit peu la phrase du début du site. Alors là vous avez un espèce de diaporama de trois photos, hein, que tout simplement... j'ai donné à Telis, voilà. Oui, le site a été fait par Telis, hein, c'est marqué ici. Le lien de sa chaîne sera dans la description, mais ça je le dirai à la fin. Et donc du coup, voilà, un petit diaporama. Et là, on a mis en place des news, alors un système de news. Et là, vous pouvez voir, donc j'ai mis la news du début, site open. Le site est désormais ouvert à tous, vous pouvez naviguer dans les différents onglets qui vous sont proposés. J'espère qu'il vous le plaira, bisous. Donc voilà, donc ça c'est la première news. La deuxième news, c'est, vu que j'avais pas mis le Twitch là, je me suis dit, on va le mettre ici. Suis-moi aussi en live sur Twitch, je stream souvent sur cette plateforme, voici ma chaîne, voilà. Tout simplement, donc là vous avez deux news, voilà, donc c'est un petit truc bien sympa qu'on a mis en place, ça c'est vraiment cool. De news, on peut en mettre plus, on peut en mettre moins. Donc il y aura vraiment des grosses news qui sortiraient, que ce soit à propos de farming, à propos de ma chaîne, etc. Elles seront mises ici tout simplement. Donc c'est moi qui gère aussi, hein. Enfin c'est moi qui gère le site, c'est moi qui mets les news, etc. Mais voilà. Donc voilà, donc ici vous avez l'onglet team qui est pas encore tout à fait complet. Voilà, donc vous avez la présentation des gars de la team, vous avez Nico, Benji, Seb, Baptiste, Joe et Benoît, donc Telis. Il manque Sticky, qui en fait, je lui demande des pépites que je leur demande, mais ils oublient à chaque fois. Donc du coup, ils vont le faire, mais pas maintenant. Donc vous inquiétez pas, je vous le dis dans cette vidéo. Pour ceux qui me disent, mais il n'y a pas Sticky, qu'est-ce qui se passe? Non, 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 non. C'est juste qu'ils l'ont pas encore fait. Ils vont le faire bientôt, normalement, enfin j'espère qu'ils vont le faire. Mais du coup, voilà, c'est pas encore complet, mais ça va l'être bientôt, tout simplement, ici, vous allez voir, ça va être bientôt complet. En tout cas, j'espère le petit design, là, quand on passe la souris dessus, hop, là, vous voyez que c'est clair, avec le petit logo de la Team Super, etc. Il a mis les prénoms des gars en rouge, tout simplement. Donc voilà, donc on passe dans la catégorie vidéo. Alors là, vous y trouverez, tout simplement, mes deux dernières vidéos. En l'occurrence, mes deux dernières vidéos sont la ferme Wallonne et les 4 fermes, tout simplement, que j'ai mis. Donc vous cliquez dessus, hop. Vous pouvez le lire de là, ou tout simplement, normalement, vous faites clic droit, ou copier, ouais, vous copiez l'URL, vous allez sur YouTube, vous la collez. Ou vous pouvez tout simplement ouais, directement la lire du site, et ça, c'est vraiment cool. Donc, voilà. Donc, pour les deux dernières vidéos, etc. Enfin, je peux en mettre que deux, ouais. Mais c'est vraiment cool, quoi. Et l'onglet qui vous intéresse le plus, maintenant que j'ai passé 2h30 à faire, donc je pense qu'on a eu fini vers midi, et j'ai passé 2h30 à faire ça. Merci à tous. Du coup, c'est l'onglet mode. Alors, l'onglet mode... Voilà.
Donc ça, c'est les différents matériels de mode, hein, différents screens de mode. Bon, ça, je pense tout youtubeur qui a fait un site à cet onglet-là, enfin, pour moi, ça me semblait logique. Alors, pour tous les gens qui me disent, qu'est-ce que tu utilises comme mode, etc. Les modes, j'ai pas tout mis, les modes. Vous imaginez mes 300 modes, j'en avais pour jusqu'à 20h du soir. En plus, c'est moi qui ai fait les screens, etc. Donc, ça prenait du temps. Donc, j'ai mis les modes, les modes que j'utilisais le plus. Donc, tout simplement, vous cliquez. Ah, tiens, il y a, par exemple, vous voulez voir ce que j'ai en tracteur, vous cliquez sur tracteur, tout simplement. Hop, là, vous avez les screenshots que j'ai pris. Et là, vous cliquez ici dessus. Moi, je vais faire un clic droit, ouvrir l'image dans le nouvel onglet. Non, pas l'image. Bon, au pire, tu cliques dessus. Ah non, ça l'ouvre, ok. Et là, vous atterrissez sur le site de mode pour ceux qui ne l'ont pas, qui veulent download. Donc, par exemple, admettons. Je reclique là, vous dites, oh, tiens, on va aller voir ce qu'il a dans, je sais pas moi, alimentation. Voilà. Là, vous voyez ce que j'ai dans alimentation. Ça, je vous laisserai découvrir. Là, vous vous dites, oh putain, j'ai pas la Roland AF14 distributrice. Alors, vous dites, hop, on clique dessus, on arrive sur le site et vous faites download, tout simplement. Et vous téléchargez. Donc, je vous ai mis le lien. C'est vraiment cool. Donc, j'ai mis les modes les plus courants que vous pouvez voir. Là, il y a 2 pages, je pense, pour les tracteurs. Il y a 3 pages, etc. Il y a quelques modes bien sympas. Vous avez juste à cliquer là-dessus. Et le dernier onglet, c'est l'onglet matériel. Alors là, vous avez tout mon matériel. Pour ceux qui me demandent la config, elle est sur ma chaîne YouTube dans la catégorie à propos. Et elle est aussi sur mon site. Donc là, vous avez mon PC, en fait, avec toute ma configuration. Vous avez tous les composants de mon ordi, mon clavier, ma souris, mon volant, mon joystick, mon tapis de souris, mon casque. Alors le micro que là j'ai pas encore, mais vu que je vais l'avoir dans une semaine et demie, je l'ai déjà mis pour pas rechanger dans une semaine et demie. Donc du coup voilà l'ONA etc. Mes 2 écrans et le fond vert. Voilà donc comme ça vous avez encore un beau fil quand vous cliquez dessus. Voilà etc. Donc du coup vous avez la référence de tout ce qu'il faut. Voilà donc on a fait le site en revue les potes. J'espère que ça vous plaira. Bah ouais on a tout fait l'onglet team accueil etc. Voilà, j'espère que ce système de news vous plaira aussi. J'espère que vous aimez bien le design et tout simplement n'hésitez pas à venir faire un tour dessus. Voilà comme ça vous pourrez voir les modes, je pense, et les trucs. Ou alors, tout simplement, pour ceux qui ont la flemme d'aller sur YouTube, vous allez directement sur mon site et vous voyez si j'ai sorti une vidéo, bam, vidéo. Et là, vous voyez si j'en ai sorti une. Tout simplement. Mais écoutez, les amis, si j'espère que ce site vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un maximum de likes, ça me ferait super plaisir. Sur ce, je vous retrouve normalement mardi. Ouais, non, je pense que ce sera mardi, j'espère. Ouais, pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss, les amis, bye.